Fanny, Bertrand et Madeleine, 18 mois, vivent à Paris dans un confortable 50 mètres carrés. Une jolie cuisine, une salle de bain agréable, une grande pièce à vivre. Seul problème, il n'y a qu'une seule chambre pour toute la famille. Donc ici, on a aménagé comme on a pu. Donc le lit de Madeleine, qui est un petit peu son espace, avec ses doudous. Le lit des parents, il faut bien qu'on dorme quelque part, évidemment. C'est ni la chambre de Madeleine, ni la chambre des parents, finalement. Résultat, dans sa chambre, Fanny ne se sent pas vraiment chez elle. Même pour lire le soir, elle doit ruser. Voilà, donc le soir, la petite veilleuse pour lire le livre. Tac, voilà, donc je lis comme ça. Voilà, ce qui n'est pas très pratique et très agréable pour tourner la page. C'est pas facile. De plus en plus de citadins se retrouvent à fonder une famille dans un deux pièces. Face à une demande toujours croissante, les designers et les magasins de décoration proposent des solutions astucieuses, comme les meubles deux en un ou encore la star des petits appartements, la cloison amovible qui permet de préserver l'intimité de chacun. Même si, contrairement aux idées reçues, dormir dans la même chambre que son enfant ne serait pas si grave. Pas de panique, hein. Les jeunes enfants, moins de 2 ans, c'est pas si grave que ça s'ils dorment dans la même chambre que les parents. Ça peut même être pour eux quelque chose d'assez rassurant. Pendant longtemps, on a conseillé très tôt, dès que le petit avait quelques semaines, finalement, de le placer dans sa chambre à lui. Il fallait surtout pas qu'il dorme dans la chambre des parents. Je crois qu'on peut revenir sur cette héroïne-là. Pour Fanny et Bertrand, il n'y a donc pas d'urgence. La petite Madeleine n'a que 18 mois. Ça leur laisse le temps de trouver la solution adaptée. Pour les aider, ils font appel à un architecte. Bonjour monsieur. Bonjour, Boubacar Sec. Enchanté, Bertrand, oui. Je vous en prie. Merci. Voilà, voilà. Donc là c'est le coin sommeil, oui, mais bon, comme vous voyez, deux lits, un enfant qui a 18 mois, donc d'accord. On aimerait bien créer une nouvelle chambre. Notre architecte a l'habitude de ce genre de demande. Après un rapide tour du propriétaire, il a déjà une solution. Et vous allez voir, elle est plutôt radicale. On va transformer la cuisine en chambre et la faire plus grande. Transformer la cuisine en chambre, mais alors où sera la cuisine? Bertrand a l'air sceptique. Donc en fait, vous pensez à mettre la cuisine à la place de la salle de bain? Eh oui. En fait, comme on pousse, pour pas pousser les murs, on pousse les pièces. Quoi. D'accord. C'est tout. Grâce à un savant jeu de chaises musicales, la cuisine se retrouverait dans le salon et la salle de bain dans la chambre des parents. Résultat, 12 mètres carrés de gagné au centre de l'appartement, l'idéal pour une chambre d'enfant. Pour Fanny et Bertrand, ça reste un peu abstrait. Heureusement, notre architecte a tout prévu. Quelques jours après sa première visite, il revient avec une maquette en 3D du nouvel espace. Oh, quel travail! Mais c'est énorme! Eh oui, ouais, c'est impressionnant. C'est donc, pas le même appartement. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec le séjour, bibliothèque et cuisine. Mm-hmm. Et derrière le bloc cuisine, mm-hmm. On a la chambre de Madeleine avec un grand lit. Grâce au changement de l'architecte, le 2 pièces devient un 3 pièces. Le problème, c'est le prix des travaux, plusieurs milliers d'euros. Avant de se lancer, Fanny et Bertrand vont donc prendre le temps de la réflexion. Mais pour séparer les espaces sans se ruiner, il existe d'autres solutions. Bonjour. Karine vit avec son mari et leur fille de 6 ans dans un 2 pièces. Pour l'instant, ils se sont répartis l'espace, les parents dans le salon et la petite Nola dans l'unique chambre. Mais dans quelques mois, la situation risque de se compliquer. Aujourd'hui, j'attends un deuxième enfant, donc la chambre de Nola va devenir pas facile à aménager pour pouvoir avoir un espace pour Nola et pour le deuxième enfant. Le souci de Karine est de faire cohabiter sa fille de 6 ans avec un nouveau-né dans 10 mètres carrés. Sa solution, créer une deuxième chambre sans perdre le moindre mètre carré grâce à un système de mezzanine amélioré. On va créer dans cette chambre 2 espaces et qui pourra encore une fois soit être bien séparé pour avoir un coin intime pour chaque enfant ou alors s'ouvrir pour éventuellement avoir plus d'espace pour qu'ils puissent avoir un espace de jeu plus important quand ils souhaitent jouer ensemble. Karine a raison de vouloir créer un espace différent pour chacun de ses enfants. D'après notre pédopsychiatre, c'est la règle d'or de la vie en commun dans un petit appartement. Les conseils qu'on peut donner aux parents qui ont un ou plusieurs enfants d'âge différent et qui ont un espace très réduit, c'est véritablement d'organiser l'espace et que chaque enfant ait ses lieux à lui, son placard à lui. Deuxième règle, il faut être très clair sur la pudeur. C'est-à-dire qu'il faut, dans la mesure où on est à plusieurs dans un petit espace, il est important que chaque enfant puisse avoir dans ces moments-là son espace
où il peut être face à son intimité. En quelques jours, avec l'aide de son mari et de quelques amis, Karine a terminé les travaux. Voilà, la mezzanine. De l'extérieur, ça n'a rien de révolutionnaire, mais cette mezzanine a un atout caché. Elle est fermée grâce à un système ingénieux de panneaux coulissants. Résultat, une véritable petite chambre supplémentaire, perchée comme une cabane. Le tout en gardant l'espace au sol, coût de l'opération, 1500 euros. Quand les deux enfants voudront avoir chacun leur propre espace, on pourra fermer ici. Ensuite ici. Et puis là. Une simple mezzanine, deux planches coulissantes, une tringle à rideaux, une idée maligne et facile à réaliser. Des solutions comme celle-ci, il en existe pour tous les cas de figure. Conclusion, aujourd'hui même, dans les appartements les plus exigus, plus question de vivre entassés comme des sardines.